Aujourd'hui, on a transféré un groupe de 9 bonobos dans un parc zoologique aux Pays-Bas. Donc c'est une première mondiale de transférer comme ça 9 bonobos en une seule fois. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'un gros succès de l'équipe de nos soigneurs, puisqu'ils ont réussi à entraîner les bonobos à accepter d'être anesthésiés volontairement. C'est-à-dire que les injections se sont faites sans fusil hypodermique. C'est vraiment les animaux qui ont accepté de se faire injecter le produit qui les a endormis, parce qu'on est obligé d'endormir bien sûr les animaux pour les mettre dans leurs moyens de transport. Oui, ça fait quoi là de perdre ces 9 bonobos là qui partent en Hollande? C'est 9 copains qui quittent le groupe quoi. Dans la paume de main, c'est vraiment la longueur des doigts. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on connaît les soigneurs qui vont les accueillir. On sait que là-bas ils vont être bien. Donc on sait qu'ils quittent ici une structure qui est vraiment chouette avec une île, avec des arbres, pour retrouver quelque chose qui est quand même chouette. Donc ça, c'est moins difficile que de les envoyer dans un zoo où les conditions sont difficiles. C'est la vie de la captivité, quoi. C'est comme ça, il faut accepter ça. Donc un, c'est difficile, neuf, c'est 9 fois plus difficile, quoi. Clairement. 13, hein, je suppose. Ouais.